Hey, salut à tous et à tous, c'est Ekar et on se retrouve pour une vidéo Fortnite News. Et oui les potos, parce que récemment le skin du coup Galactus est enfin apparu du coup sur Fortnite officiel. Et du coup on va en parler un petit peu dans cette vidéo. Avant ça les potos, n'hésitez pas à aller dans la boutique d'objets pour soutenir un créateur Bokuni, voilà, avec le code créateur Bokuni. Et sur ce, n'hésitez pas à mettre un like et un petit abonnement à la chaîne YouTube, ça nous ferait extrêmement plaisir parce qu'on recherche des petites informations quand même, et en plus on va vous dire comment obtenir ce fameux skin, donc ce serait cool quand même d'avoir une petite récompense avec un petit abonnement. Mais juste avant de vous montrer du coup comment obtenir le skin Galactus, on va faire un petit point au niveau de l'événement. Donc au moment où je fais cette vidéo, on est actuellement le 29 novembre et du coup on est bientôt à la date de l'événement. Il nous reste 2 jours comme le numéro du bâtiment. Et comme par hasard, on est du coup à SteamStack, et comme par hasard, donc il nous reste 2 jours avant l'événement, le bâtiment 2, et en fait quelque chose s'est déclenché à l'intérieur de SteamStack, et vous allez voir que quelque chose est assez effrayant. Voilà, on entre par cette porte, vous pouvez déjà l'entendre, voilà. Est-ce que vous entendez ce bruit effrayant les potos? On dirait vraiment comme un monstre, comme quelque chose qui rôderait à l'intérieur de ce bâtiment. C'est vraiment très étrange. Donc voilà, ça c'est la première information. Sachez aussi que, très important, ce bruit-là que vous entendez est bel et bien généré de ce petit lac-là. Pourquoi? Parce que regardez, on va descendre ici. Et vous voyez donc ce petit truc-là, là, on va le casser. On va le casser et vous allez comprendre. Et voilà. Vous avez vu? Donc, j'avais pas compris au début parce que j'ai cassé et normalement ça aurait dû cesser le bruit instantanément. Et je me suis dit, mais c'est pas normal. Et là en fait je suis sorti de l'eau et du coup le bruit a cessé. Donc très très bien. Donc voilà, le bruit est généré par le petit bidule au milieu de ce lac un petit peu violet. On sait pas pourquoi ni comment, mais en tout cas ça s'est activé aujourd'hui. Et ça fait pile et poil, enfin pile poil 2 jours. Et 2 jours après l'événement on a du coup le chiffre 2 sur le bâtiment. Très bizarre. Alors là on se retrouve du coup sur un autre lieu, on est du coup juste derrière un Retail Row et du coup on est à l'opposé de Galactus qui se trouve derrière tout ça, d'accord? Et là on voit du coup 2 acolytes, voilà, 2 acolytes qui sont là tranquillou et on ne sait pas ce qu'ils font réellement, ils attendent quelque chose peut-être qui va se profiler au loin. Mais c'est très très bizarre. Mais rappelez-vous quelque chose aussi, il y a eu une photo, je sais pas si j'arriverai à la retrouver, mais il y a une photo à l'époque où on avait retrouvé du coup le robot qu'avait créé du coup Midas. Voilà, c'était une image avec Midas et un robot. Et peut-être que du coup ils attendent quelque chose, l'arrivée peut-être d'un robot ou de quelque chose qui pourrait, une entité en tout cas, qui pourrait peut-être pas vaincre Galactus parce qu'on sait très bien que c'est impossible, mais on peut peut-être penser à quelque chose qui pourrait au moins freiner Galactus et peut-être permettre à nos héros de s'en aller. Voilà. Alors sachez-le aussi les potos, il y a quelque chose qui est apparu il y a pas longtemps et vous le voyez déjà ici. Donc c'est un espèce de petit bug graphique, vous le voyez en haut, on voit des lignes apparaître tout simplement à l'intérieur de l'eau. Donc on se dit, est-ce que c'est vraiment un bug graphique? Ou est-ce que c'est quelque chose qui se profile? Ou voilà, on ne sait pas du tout. Et c'est juste à côté justement de ces fameux acolytes. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires à votre avis bug graphique. Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va se profiler? Dites-moi vos avis dans les commentaires, je répondrai au commun. Bon, sur ce, je vais arrêter de vous faire languir. Et on va du coup vous dire comment obtenir le skin Galactus, d'accord? Donc récemment, sur la page officielle d'Instagram, on a eu du coup, donc là c'est la page officielle d'Instagram France, du coup de Fortnite, c'est la page officielle. Et on a eu, voilà, le petit skin Galactus qui a popé il y a pas longtemps, avec du coup le titre, le skin Galactus vous aimez,
Voilà. Donc ça y est, le skin Galactus a été enfin leaké et c'est officiel, les potos. Donc dites-moi, est-ce que vous l'aimez ou pas? Moi personnellement, je le trouve trop gros, trop voyant. Du coup, c'est pas si ouf que ça, mais après, ça reste quand même un skin d'événement. Donc il est pas mal. Alors, comment l'obtenir? Tout simplement, il y a pas mal d'hypothèses qui disent qu'il va falloir attendre du coup la fin de l'événement et du coup qu'il sera peut-être donné gratuitement du coup à la fin de l'événement. Voilà, tout simplement, je pense et pas mal de théories sont sur ça. Il va falloir regarder du coup l'événement, le Dévoreur des Mondes, du coup premier, voilà, le mardi premier à 22h. Et normalement, vous pourrez l'obtenir gratuitement à la fin de l'événement. Il sera donné en entre guillemets comme une récompense. Voilà. Après, normalement, il sera certainement, pour ceux qui l'ont loupé, il sera certainement en boutique les jours d'après. Donc vous inquiétez pas. Et en plus, on voit que du coup, c'est un outfit épique. Donc normalement, il serait dans les alentours de 1500 V-Bucks. Voilà, en tout cas, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé, que vous êtes abonné à la chaîne si le contenu vous a plu. Et en tout cas, voilà, merci à tous ceux qui nous soutiennent. Ça fait extrêmement plaisir et on se redit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et on sera en live pour l'événement, donc n'hésitez pas à venir nous suivre. On remerciera tout le monde. Et d'ailleurs, mettez un petit commentaire et on fera peut-être des petites dédicaces lors de ce stream. Allez, sur ce, ciao, c'était Icar. Portez-vous bien et puis c'est tout. Ciao!